Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike, et dans cette vidéo, je vais vous parler du DLC 1 qui arrivera en zombie sur Call of Duty Cold War. Alors apparemment, les Américains auraient découvert cette image, et dans cette image, on peut voir le nom de la prochaine map, qui serait le site Kessan. Alors ce n'est qu'une théorie, bien entendu, ils ont trouvé ça je ne sais pas trop où, et regardez sur cette image, il est marqué le 15 février. Alors bien entendu, je me suis dit, je vais quand même traduire cette petite image et essayer de savoir ce que ça dit. Et en fait, bah, je l'ai traduit. Et en fait, il parle d'une mission qui s'achèverait le 15 février. Voilà pourquoi les Anglais pensent que le DLC 1 arrivera le 15 février. Alors moi, je pense qu'il arrivera sûrement pas avant le 15 février. Je pense que le 15 février, ce serait une bonne date de sortie de DLC. Tout simplement parce que bah, le jeu est sorti le 13 novembre. Et bah, 3 mois plus tard, ça fait le 13 février. Donc le 15 février, c'est dans une bonne date. Je vais même regarder quel jour ça serait. Ça tomberait un lundi. Alors moi, ce que je me dis, c'est que carrément, les DLC, bien souvent, sur Call of Duty, c'est tout le temps un mardi. Donc je pense que le DLC arriverait mardi, voire jeudi max. Donc ça ferait le 16 février, voire le 18 février. Mais je pense pas qu'il sera beaucoup plus tard que ça. Et si on peut se fier à la lettre que les Américains ont trouvée, moi je me dis que si la mission elle s'achève le 15 février, eh ben ils vont pas envoyer une équipe sur le site à ce moment-là. Je pense que on ira genre 1, 2 ou 3 ou 4 jours plus tard quand l'épidémie de zombies ou les catastrophes seront bien arrivées là-bas. Parce qu'à chaque fois qu'on arrive sur une map, bah la map elle est déjà à moitié détruite et en fait bah on arrive pour justement faire le ménage et essayer de corriger les erreurs des autres. Donc voilà, je pense qu'il sortira pas le 15 février mais un peu plus tard pour justement cette raison là. Donc voilà, après c'est mon avis, je sais pas si c'est une info sûre mais je pense qu'elle peut être quand même fiable. Et je tiens à remercier énormément mon poteau Jedi qui m'a tenu informé de ce leak tout simplement. Parce qu'en fait, ben, j'étais pas au courant, je l'avais pas vu sur YouTube. Donc un grand merci à toi poteau, tu gères. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulmec et ciao. Peace.